que ce qui va se passer là, oui, je pense qu'on va revenir à des choses comme quand tout le monde était ministre ou quoi que ce soit. On va avoir des beaux concerts de Pascal Obispo et des expos sur Manet qui vont être super. D'après vous, la salle alternative, pas vraiment, en fait. J'ai l'impression. En fait, on sait pas de quoi on parle, vu qu'on est quasiment que sur une salle alternative, on sait pas quelle est l'autre, en fait. Mais vraiment, je sais pas quelle est l'autre, en fait. Je vais pas avoir des concerts de groupes normes, de groupes d'artistes normaux, ce qui fait qu'on est que sur une scène alternative, en fait. Mais vraiment. Et du coup, d'après vous, quels sont les points communs entre ces groupes, justement ? Alternatif. Ils sont en dehors d'un système ambitieux et mainstream et business, quoi. DIY. Oui, c'est le principe du DIY, punk, art, comme le truc punk ou hardcore américain à l'époque, quoi. Il s'avère que on a le réseau grâce au booker des SMAC, etc. Mais ça nous arrive déjà un fond, on a bien joué dans un hall de gare quasiment. Là. Oui, ça va. On peut jouer dans des halls de gare avec 20 personnes, comme ça a dit il n'y a pas longtemps à Marmande. Parce que la salle, en fait, a eu un problème d'autorisation parce qu'il y avait eu Gaufret qui jouait dans la même ville et c'est pas une plaisanterie. Gaufret jouait dans la même ville ce soir-là et pour éviter de manger des parts de marché du Gaufret, le concert avait été annulé à ça. C'est qu'on a joué dans le bar, et on l'a fait, le café de la gare de la ville, avec le TGV qui passait pendant les balances. Donc on joue, comme disait Pat, justement, on passe, ça va des salles, des bars, on joue dans des squats en Allemagne glacés, on a la chance de faire des grosses salles, mais c'est rare, et puis on n'est pas très à l'aise dans les grandes salles, en fait. On a fait assez peu de fêtes de CE cette année, je crois. Hein ? On a fait des pots de départ, quelques bar mitzvahs aussi, mais non, on est dans le truc assez classique, mais le spectre est grand.
Souvent, je pense qu'il n'y a jamais eu autant de groupes intéressants en France du fait qu'on les connaît, pour rejoindre ce que disait Nicolas, c'est qu'on les connaît. Je pense qu'il y a toujours eu des groupes intéressants, mais avant c'était très très dur pour arriver à sortir. Le nombre de groupes très très bons qui n'ont jamais fait beaucoup de concerts et qui sont restés juste autour de chez eux, parce qu'il y avait un espèce de truc de ne pas arriver à trouver un support pour sortir de ça. Après, je reste dans mes souvenirs. Fin des années 80 et début des années 90, il y a vraiment eu un énorme creux au niveau des groupes, l'intérêt des groupes. Après que la scène punk, ce soit scène Oi, tout ça, se soit écroulé, on a été énorme consommateur de groupes garage, de groupes de hardcore qui arrivaient en France, je dirais entre 88 et 92, 13. Il y a vraiment un trou énorme de 5 ans où les gens, il a fallu que les gens, après avoir l'ouragan punk, hardcore, Oi, New Wave, tout ça soit passé, hard rock même. Il y a eu un creux énorme d'assimilation du public français, des nouvelles choses qui arrivaient de loin, en l'occurrence le garage, le hardcore ou des choses comme ça. Quoi. Enfin, c'est ça, voilà, c'est le fait de continuer à jouer, sortir des disques, etc. C'est la longévité du groupe qui fait qu'on va le voir. C'est,
C'est gros, bon, peut-être la colonie de vacances, c'est les quatre groupes réunis ensemble. Donc, mais ils avaient déjà. Voilà, c'est des mecs qui tournent depuis hyper longtemps. Quoi. Et Cheveux, pareil, ça existe depuis combien de temps, Cheveux? 2006 maintenant, peut-être plus vieux encore. C'est plus vieux que ça. Ça existe en même temps que. Enfin, voilà, ouais, je crois que c'est 2004-2005. C'est quand même une dizaine d'années que les mecs ils tournent, bah, donc forcément, ça serait dommage qu'on les voit pas d'ailleurs. Ça c'est le résultat surtout du boulot des labels qui font connaître, nous on parle de Born Bad, parce que j'ai Born Bad, et JB c'est un enragé de la communication. Quoi, donc, il n'y aurait pas JB, frustration existerait sans doute aussi, mais on n'entendrait pas parler forcément. À part le bouche à oreille. Mais là, il y a un autre boulot qui est fait à part le bouche à oreille, qui est celui du label. Les notions d'âge ou de sexe des personnes, ça revient. Oui, je suis en train de te dire ta question ne, pour ma part, moi, ne me parle pas, mais vraiment, dans le sens qu'on me dit, Fab, est-ce que tu aimes bien certains groupes, parce qu'on l'a déjà demandé, est-ce que tu aimes des groupes dans lesquels il y a des femmes, par exemple? C'est pas une chose que je note, pour revenir à ce que dit Fab, c'est pas des choses que je note, le sexe de la personne. Et l'âge non plus, dans le sens que, oui, il y a des groupes intéressants, il y a des gars qui font des groupes tardivement, qui sont des jeunes groupes, et t'as des gamins qui ont 25 ans qui font déjà des vieux groupes, en fait. Donc la question, elle est à double tranchant, à double intérêt, en fait. Après, si c'est sur des histoires de groupes récents qui nous plaisent, pas forcément de jeunes, oui, oui, oui et oui. Et puis il y a aussi le truc par rapport à Internet, des choses comme ça, c'est que maintenant, il est aussi facile d'acheter un groupe qui est du même département que toi qu'un groupe qui est de l'autre bout du monde. On est fan d'Institute d'Austin, on est fan de Dayat qui sont à Berlin. Les groupes Pierre et Bastien qui sont des copains, ils sont de Paris, enfin d'Orléans, Paris. On n'est même plus, maintenant c'est presque dur à dire, on n'est même plus dans des notions de géographique, régionale ou nationale. Avec la richesse d'Internet, ce qui est bien en fait en même temps aussi. Mais par contre, ça fait beaucoup de disques à écouter. Donc il y a forcément des choses qui passent à la trappe. Quoi.